Nous levons nos voix t'adorer en exaltant ton nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos voix pour t'adorer en exaltant ton Saint-Nom. Tu es bon, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous chantons gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Nous élevons nos mains dans ta présence ce soir. Nous t'adorons, toi le seul Dieu. Toi, notre Père, nous te bénissons et t'exaltons. Merci pour ce temps que tu nous accordes dans ta présence, en ton nom. Merci pour ce temps que tu nous accordes d'atteindre, Seigneur, ces nombres de jours dans le jeûne, dans la prière. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes dans ta présence. Nous te célébrons, te bénissons. Merci, Seigneur. Sois élevé, sois exalté. Sois magnifié, sois.
cette soirée, encore nous prions les mérites du sang de Jésus dans les vies, dans les maisons, dans les familles, pour la justification de ton peuple. Nous plaidons ta miséricorde, Seigneur. Glorifie ton nom. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons et te célébrons. Merci pour ces moments. Conduis, nous dirige. Visite les frères et sœurs éveillés, endormis, en direct, en différé, et glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Merci pour ta main, merci pour ta présence, merci pour les signes, les miracles, les prodiges, merci pour les portes ouvertes, merci pour les percées multiples. Reçois toute la gloire, que tout ceci contribue à l'avancement de ton royaume. Que les uns et les autres voient et sachent que tu es Dieu. Lorsqu'ils ont vu ta main et ta puissance opérer dans la vie de Lazare, ils t'ont cru, ils ont su que tu es vivant. Seigneur, tu te manifestes, tu parles encore aujourd'hui, tu es présent. Merci de glorifier ton nom par les portes pas ouvertes, par des percées, par des signes, des miracles, des prodiges. Seigneur, aujourd'hui, on demande à mon frère, ma soeur, où est ton Dieu? Si tu avais Dieu, pourquoi tu arriverais? Seigneur, lève-toi. Père, lève-toi. Père, lève-toi et que ton nom soit glorifié. Père, lève-toi et que ton nom soit exalté. Père, appelle-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, que lorsque les multitudes avaient vu ce qui s'était passé dans la vie de Lazare, beaucoup sont venus à toi parce qu'ils avaient vu. Aujourd'hui, beaucoup ne croient pas. Beaucoup veulent voir ta puissance. Père, lève-toi dans les vies. Père, lève-toi dans les familles. Père, lève-toi dans la vie, mon frère, ma soeur. Pas des prodiges, pas des signes, nous te supplions. Et qu'il soit vu encore que tu es Dieu. Qu'il soit vu que tu es Dieu. Qu'il soit vu que c'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. Tu fermes la porte du célibat et personne ne peut l'ouvrir. Tu fermes la porte de la stérilité et personne ne peut l'ouvrir. Tu fermes la porte que les uns et les autres avaient ouverte pour la mort et personne ne peut plus l'ouvrir. Et tu conduis ton peuple de gloire en gloire. Seigneur, reçois toute la gloire dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, que la grâce de Dieu vous inonde. C'est un privilège pour nous d'être au service de Dieu et de vous servir. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en direct sur Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram. Partagez, signalez aux uns aux autres. Nous sommes déjà connectés. Amen, amen. Amen. Dites-moi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je ne traverserai pas cette vie sans avoir un impact positif au nom de Jésus-Christ. Je ne traverserai pas cette vie sans avoir un impact positif au nom de Jésus-Christ. La grâce divine d'être une influence positive descend sur moi, descend sur ma famille, descend sur mon conjoint, descend sur mes enfants. La grâce divine d'être une influence positive descend sur moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en prie, glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans ma vie. Et laisse les autres te voir en moi. Laisse les autres te voir en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, fais de moi un porteur de ta gloire et de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Fais de moi un porteur de ta gloire et de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Fais de moi un porteur de ta gloire. Fais de mon mari un porteur. Fais de mes enfants un porteur de ta gloire et de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, Seigneur, fais de moi un porteur de ta gloire. Fais de moi un porteur de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, ne t'aie pas, continue de prier. Père, fais de moi un porteur de ta gloire. Bien-aimé, lorsque nous donnons un point de prière, si on n'a pas stoppé, nous sommes en temps de prière, continue seulement de prier. Père, fais de moi un porteur de ta gloire. Fais de moi un porteur de ta puissance. Fais de mon conjoint, de mes enfants, un porteur de ta gloire, un porteur de ta puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, par ta miséricorde, ô Dieu, ma postérité n'héritera pas du mal. Ma postérité n'héritera pas du mal au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père,
Lève-toi dans la région et que des multitudes confessent que tu es Dieu. Père, lève-toi dans ma famille. Père, lève-toi dans ma maison. Que des multitudes confessent que tu es Dieu. Lève-toi dans ma vie, Père, et que des multitudes confessent que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Ouvre ta Bible avec moi dans Daniel chapitre 2, verset 22. Daniel chapitre 2, verset 22. Ceux qui sont avec moi, si quelqu'un a trouvé Daniel chapitre 2, verset 22, il peut lire. Amen, amen. Daniel chapitre 2, verset 22. Dans Daniel chapitre 2, verset 22, il est écrit: Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. La lumière demeure avec lui. Daniel chapitre 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens au chapitre 1, verset 17. Il est écrit. Éphésiens 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Nous allons prier pour la révélation. Nous allons prier que le Saint-Esprit se révèle à toi. Toi-même, tu vas prier que le Saint-Esprit se révèle à toi. Amen. Je te dis de la même manière, tu pries que le Saint-Esprit se révèle à toi. Moi aussi, je veux que le Saint-Esprit se révèle à moi. Tu veux que le Saint-Esprit se révèle à toi dans quel domaine? Tu vas prier que le Saint-Esprit se révèle à toi. Est-ce dans les affaires? Est-ce concernant le choix du conjoint? Est-ce concernant tes enfants? Est-ce concernant n'importe quel domaine? Nous allons prier. Nous avons lu dans Daniel 2, verset 2 tout à l'heure et Éphésiens 1, verset 17. Commence à dire merci pour le Saint-Esprit. Commence à dire merci pour la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ a dit: Je ne vous laisse pas seul. Et il a accompli cette promesse. Je vous envoie le Saint-Esprit qui vous conduira dans la vérité, qui vous enseignera tout, qui vous révélera même les choses profondes. Le Saint-Esprit est là, c'est lui qui te révèle les choses secrètes. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il est l'auteur de l'Église. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci, toi qui es l'auteur de cette œuvre. Merci, toi qui nous rassemble. Merci, toi qui nous inspire ces programmes, qui nous conduit. Merci pour ta révélation. Merci pour ta présence. Merci de nous diriger, de nous humilier. Merci, cher consolateur. Merci, merci. Nous te bénissons et te célébrons pour ta présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation et de sagesse dans ta connaissance. Bien-aimé, commence à prier, Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation, donne-moi l'esprit de sagesse dans ta connaissance. Et se concentre avec foi. Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation. Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse dans ta connaissance. J'ai besoin de toi, Seigneur. Donne-moi l'esprit de révélation. Donne-moi l'esprit de sagesse dans ta connaissance. Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation. Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse dans ta connaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ôte les cataractes spirituelles de mes yeux. Ôte les cataractes spirituelles de mes yeux au nom puissant de Jésus-Christ.
Allez, commence à prier, Seigneur, ôte la cataracte spirituelle de mes yeux. Ôte la cataracte spirituelle des yeux de mon mari, des yeux de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est à toi que je prie. Ôte la cataracte spirituelle de mes yeux. Ôte la cataracte spirituelle de mes yeux. Ôte la cataracte spirituelle de mes yeux, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je m'abandonne à toi ce soir. Tu as guéri les aveugles. Seigneur, délivre de l'aveuglement spirituel. Seigneur, ôte la cataracte spirituelle de mes yeux. Est-ce que tu te rappelles que Jésus-Christ a guéri les aveugles? Alors demande à Dieu de te délivrer de l'aveuglement spirituel. Tu ne peux plus continuer comme ça. Les choses se passent tout autour de toi, tu ne vois pas. Demande à Dieu de te délivrer de la cataracte spirituelle. Oh Père, dans le nom de Jésus, délivre mon mari, délivre moi, délivre mes enfants de la cataracte spirituelle, de la cataracte spirituelle, de la cataracte spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, en cette soirée, nous crions à toi pour ton peuple, que toute forme de cataracte spirituelle, toute forme de voile sur les yeux, ôtez, le sable dans les yeux, la confusion, la cataracte spirituelle, qu'elle soit ôtée, qu'on cesse de voir des humains comme des arbres, au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, ton peuple en cette soirée, au nom puissant de Jésus, que tout ce qui a été versé sur tes yeux, pour que tu ne les vois plus, tout ce qui a été versé sur tes yeux, pour que tu ne voies plus les choses que Dieu donne, dans le nom de Jésus, cette chose est enlevée. Il y a des gens qui ont été attaqués dans leurs yeux parce que tu as raconté un songe, tu as raconté une vision, les uns les autres ont dit, ah bon, donc ils veulent nous manquer qu'ils voient, pour cela ils ont attaqué des yeux et depuis là tu ne vois plus. Depuis là, c'est comme si le don s'éteint. Il ne s'est pas éteint. Ce soir, il est réactivé par le au nom de Jésus. Tout est cataracte spirituelle, ça te quitte. Nous venons ce soir contre les esprits d'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus, que les voiles soient déchirées, des maisons des yeux, que les voiles soient ôtées. Au nom de Jésus, que les plans spirituels soient nettoyés par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, prends contrôle en cette soirée. Que la cataracte spirituelle soit ôtée des yeux. Que la cataracte spirituelle soit ôtée des yeux de mon frère et de ma soeur. Que la cataracte spirituelle soit ôtée des yeux des maisons. Dans le nom de Jésus-Christ, dis avec moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, délivre-moi de l'esprit sourd et muet. Délivre-moi de l'esprit sourd et muet. La surdité spirituelle, le mutisme spirituel. Oh Père, délivre-moi de l'esprit sourd et muet. Au nom de Jésus, bien-aimé, commence à prier. Tout est sourd et muet. Au nom de Jésus, dans le domaine spirituel qui presse, sois-en délivré. Au nom de Jésus, esprit sourd et muet, sors de cette maison. Tu es couché, endormi, tu m'entends. Je dis, ton esprit est là. Dis au nom de Jésus, t'es sous aimé, ça te quitte. Qui a mis la bande bouche pour que tu ne fraîches plus l'évangile? Tout pouvoir qui a juré fermer ta bouche tombe. Je dis tout pouvoir qui a juré fermer ta bouche tombe et meurt. Dis avec moi, tout pouvoir qui a juré fermer ma bouche tombe et meurt par le feu. Tombe et meurt par le feu. Esprit sous les nuées. Esprit sous les nuées. Tu me quittes. Allez, fais comme si tu débouchais tes oreilles, tu enlevais quelque chose de ta bouche et de tes yeux. Esprit sourd et muet, tu me lâches. Tu lâches mon mari, tu lâches mes enfants. Au nom de Jésus, j'ai dit esprit sourd et muet, sors au nom de Jésus-Christ. Comment de sortir. Commande à cet esprit de sortir. Esprit sourd et muet, je te chasse. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Esprit sourd et muet, lâche cet homme, lâche cette femme. Par le nom de Jésus, je commande au serpent qui t'a avalé de te vomir. Par le nom de Jésus, ce serpent te vomit. J'ai dit toute chose qu'on a mis sur ta bouche, comme on met le mort sur la bouche du chien, c'est enlevé. Tu prêches, on entend, tu parles, on entend, tu parles.
ton foyer, on écoute. Tu parles dans ton service, on écoute. Il n'est pas plus question que dès que tu ouvres ta bouche, on ramasse le bâton comme si c'est un serpent qui s'exprimait. On commence, tout le monde te hue, tout le monde te rejette. Je dis cet esprit-là, au nom de Jésus, il te quitte ce soir par le feu. Il te quitte ce soir par le feu. Il te quitte ce soir par le feu. Il quitte ta maison, ton mari, tes enfants. Je dis toute personne dans une maison endormie même. Je dis cet esprit lâche. Cet esprit sort. Cet esprit sort. Cet esprit sort. Les pouvoirs qui ont juré qu'ils ont déjà fait la bouche par le nom de Jésus, nous chassons maintenant. Allez, Satan, je te reprime. Esprit de serpent, toi qui dis que tu as avalé cet homme, je t'abats ce soir. Je t'abats ce soir. J'abats le serpent. J'abats le serpent. Le serpent qui t'a avalé au nom de Jésus. Quand les gens viennent, ils voient le serpent. Serpent de la fondation. Serpent de la fondation. J'ai dit, je t'abats par le feu. Je t'abats par le feu. Allez, tu vomis le frère. Tu vomis la soeur. Tu vomis le frère. Tu vomis la soeur. Toi, le totem qui représente la soeur. Toi, le totem qui représente le frère. Au nom de Jésus. J'ai dit, tu les vomis. J'ai dit, tu les vomis. Par le feu, esprit sourd et muet, esprit sourd et muet. Allez, libère, 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 libère. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Dis avec moi, oh Dieu, ouvre mon entendement spirituel. Allez, prie, 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 prie. Oh Dieu, ouvre mon entendement spirituel. Ouvre mon entendement spirituel. Ouvre l'entendement spirituel de mon mari. Ouvre l'entendement spirituel de mes enfants. Bien-aimé, prie, prie, prie. Il est très important pour toi d'entendre de Dieu pour une percée. Il est très important pour toi de voir de Dieu pour une percée. Cher Saint-Esprit, ouvre mon entendement spirituel. Prie, parabaché, crée, que chaque rabaché ouvre l'entendement spirituel de mon mari, de mes enfants. Est-ce que quelqu'un prie, toi? Cher Saint-Esprit, ouvre mon entendement spirituel. Ouvre l'entendement spirituel des frères et sœurs, toute forme de confusion, toute forme de distraction, toute forme de déconcentration. Lâche, 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 lâche. Que les oreilles spirituelles soient débouchées. Que les oreilles spirituelles soient débouchées. Que les oreilles spirituelles soient débouchées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, enseigne-moi les choses profondes et cachées. Bien-aimé, commence à prier. Seigneur, enseigne-moi les choses profondes et cachées. Seigneur, enseigne-moi les choses profondes et cachées. Seigneur, enseigne-moi les choses profondes et cachées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, révèle-moi tout secret responsable de tout problème à lequel je passe. Seigneur, révèle-moi tout secret responsable de tout problème par lequel je passe. Bien-aimé, commence à prier, cher Saint-Esprit. Révèle-moi tout secret responsable de tout problème par lequel je passe. Seigneur, révèle les secrets. Seigneur, révèle-nous les secrets. Cher Saint-Esprit, révèle-nous les secrets. Les secrets responsables des problèmes par lesquels on passe. Seigneur, révèle à ton peuple les secrets responsables des problèmes par lesquels on passe. Saint-Esprit, tu es l'esprit de révélation. Tu es l'esprit de profondeur. Révèle à ton peuple les secrets. Les secrets. Les responsables des problèmes par lesquels ils passent. Oh Père, révèle les secrets à cet homme, révèle les secrets à cette femme. Pourquoi ce projet ne marche pas? Pourquoi cette entreprise meurt? Pourquoi les choses tombent? Pourquoi tout échoue? Pourquoi le rejet? Oh Père, révèle tes secrets, révèle tes secrets. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées. C'est à toi que nous crions ce soir. Père, dans le nom de Jésus, révèle les choses secrètes. Révèle les secrets responsables des problèmes par lesquels on passe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie avec moi. Et dis encore avec moi, Seigneur. Révèle-moi toutes choses planifiées contre moi dans les ténèbres. Seigneur, révèle-moi toutes choses planifié contre mon mari, planifié contre mes enfants, planifié contre l'église, planifié contre ma famille, dans le monde ténèbres. Allez, commence à prier. Seigneur, révèle-moi toutes choses planifiées contre moi dans le monde des ténèbres. Révèle-moi, Seigneur, toutes choses planifiées contre moi dans le monde des ténèbres. Seigneur, révèle-moi toutes choses planifiées contre mon mari, contre mes enfants, contre le ministère, contre ton église, contre la nation. Seigneur, dans le monde des ténèbres, Seigneur, accorde des révélations. Seigneur, accorde des révélations. Bien-aimé, prie que Dieu te manque. Bien-aimé, prie que Dieu te manque. Bien-aimé, que Dieu te manque. Dieu pose leur
Bien-aimé, prie. Le Saint-Esprit nous rappelle quelque chose. Que lorsque le roi était assis et planifiant ces choses, Dieu avait déjà montré à Élisée. Et tout ce que le roi planifiait, Élisée était au courant. Ça faisait qu'on ne pouvait pas attaquer Israël. Bien-aimé, tu es prophète de Dieu. Il dit, d'ailleurs, je répandrai de l'esprit sur toute terre. Et tu es sanctificateur selon Apocalypse. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Seigneur, révèle-moi toutes choses planifiées contre moi, contre mon mari, contre mes enfants, contre la famille, contre le ministère, contre l'église, dans le monde des ténèbres. Oh Seigneur, révèle-moi toutes choses. Seigneur, révèle-moi toutes choses. Le Saint-Esprit te révèle les choses que même les collègues te planifient contre toi, que les faux amis planifient contre toi. Bien-aimé, prie, que les ennemis planifient contre toi. Seigneur, révèle-moi toutes choses planifiées contre moi dans le monde des ténèbres. Révèle-moi, Seigneur. Seigneur, révèle à mon Seigneur, révèle à mes enfants toutes choses planifiées contre nous, planifiées contre le ministère, planifiées contre l'église, planifiées contre la nation. Cher Saint-Esprit, révèle-toi ton peuple. Nous prions, Seigneur, révèle-moi toutes choses planifiées contre moi, contre mon mari, contre mes enfants, contre l'église, contre ma maison, dans le monde des ténèbres. Seigneur, révèle-moi toutes choses planifiées contre moi dans le monde des ténèbres. Révèle-moi toutes choses planifiées contre mon mari dans le monde des ténèbres. Révèle-moi toutes choses planifiées contre mes enfants dans le monde des ténèbres. Révèle-moi toutes choses planifiées contre mon mariage, contre mes frères, contre les études, contre ma destinée dans le monde des ténèbres. Oh Père, révèle-moi toutes choses planifiées contre l'église, contre le ministère, contre la nation dans le monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un crie à Dieu ce soir? Père, révèle-moi toutes choses planifiées contre ma maison, planifiées contre mon avenir, planifiées contre le ministère, planifiées contre ma maison, contre la famille dans le monde des ténèbres. Père, nous ne pouvons pas chercher avec toi. Dieu connaît tout comme étant des aveugles. Saint-Esprit révèle. Saint-Esprit parle. Saint-Esprit prend contrôle. Bien-aimé, prie. Seigneur, révèle-moi. Tu dois connaître les secrets pour avancer. Tu dois connaître les secrets des problèmes par lesquels tu passes. Tu dois connaître ce qu'il y a lieu de faire. Tu dois connaître avant qu'eux ne connaissent. Tu dois connaître et déjouer leur plan. Et la grâce de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour te révéler. Bien-aimé, prie-moi que tu reçois. Le Saint-Esprit revient. Révèle-moi les projets, cher Saint-Esprit, révèle-moi ce que l'ennemi a planifié contre ma vie, contre mon mari, contre ma maison, contre l'église, contre mes enfants, contre la nation. Saint-Esprit, nous sommes disponibles. Saint-Esprit, montre-nous. Saint-Esprit, parle. Saint-Esprit, illumine. Saint-Esprit, révèle. Nous avons besoin de toi. Rebaki kabashé, kreke shakabashé, irababa. Dans le nom de Jésus-Christ. Révèle-moi, oh Dieu, révèle-moi les choses qui me feront avancer. Allez, commence à prier. Oh cher Saint-Esprit, révèle-moi les projets qui me font avancer. Révèle-moi les choses qui me font avancer. Révèle les choses qui me font avancer. Révèle-moi les choses qui me font avancer. Révèle-moi les choses qui me font avancer. Révèle à mon mari les choses qui vont me faire avancer. Révèle à mes enfants les choses qui vont les faire avancer. Cher Saint-Esprit, révèle-toi. Révèle-toi à ton peuple. Révèle à ceux que voici le bon choix, le bon conjoint, le bon travail, la bonne position, la bonne affaire à lancer. Oh Père, révèle à ton fils que voici le bon choix, le bon travail, la bonne filière, les bonnes personnes, même dans les projets, les entreprises. Révèle-nous les emplacements, révèle-nous les bonnes choses qui vont nous faire avancer. Tu es Dieu, nous nous soumettons à toi en cette soirée. Rebaki karabashé kreke shakrabakashé kreke shakabasha. Rira krabasha kabashé kreke shakabashé. Ira krabakasha krabakashé kreke shébéchébéché. Rira basha kabakashé kreke shébéché. Rekra krabashé kébéché. Ira kabashé kreke shakabashé. Ira kabashé kreke shakabashé. Ira basha kabashé kreke shakabashé. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, prends ta main droite et pose sur ta tête et commence à demander à Dieu la sagesse divine pour bien gérer ta vie.
Oh, Saint-Esprit, accorde-moi la sagesse divine pour bien gérer ma vie. Accorde-moi la sagesse divine pour bien gérer ma maison. Accorde-moi la sagesse divine pour bien gérer les gens que tu me donnes, pour bien gérer le personnel, pour bien gérer mes enfants. Est-ce que quelqu'un prie? Oh, Seigneur, accorde-moi la sagesse divine pour bien gérer au jour d'aujourd'hui mon foyer. Bien-aimé, prie, prie, prie. L'autre jour, Salomon a demandé à Dieu la sagesse pour gérer le peuple. Bien-aimé, demande à Dieu la sagesse pour gérer ta vie. Demande à Dieu la sagesse pour gérer les milliards et les milliards dans tes mains. Demande à Dieu la sagesse pour gérer les projets. Demande à Dieu la sagesse pour gérer ta vie. La sagesse. Bien aimé, prie. La femme folle décrit sa propre maison, mais l'homme sage bâtit sa maison. Bien aimé, commence à prier. Cher Saint-Esprit, je veux la sagesse. Je ne veux écrire. Je veux la sagesse pour bien gérer ma vie. Je veux la sagesse. Et rabababababa. Et chèque, 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 irakabaché. Bien aimé, prie. La folie te quitte. L'obsession te quitte. Au nom de Jésus, les puissances qui t'amenaient à tout décrire, à décrire où tu ne dois pas décrire, à faire des guerres que tu ne dois pas faire, ces forces-là te lâchent ce soir. Reçois la sagesse pour gérer ta vie. Reçois la sagesse pour gérer les relations. Et rabababaché, chèque, est-ce que quelqu'un demande à Dieu ce soir? Sagesse, il est l'esprit de sagesse. Cher Saint-Esprit, accorde-moi la sagesse pour gérer l'argent. Accorde-moi la sagesse pour gérer ma vie. Accorde-moi la sagesse. Il y a des gens, quand ils perçoivent l'argent, ils ne peuvent rien faire. Oh Père, accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. La sagesse pour gérer l'argent. La sagesse pour gérer les percées. La sagesse pour gérer les hommes. La sagesse pour gérer les relations. La sagesse pour gérer ma vie. La sagesse pour gérer mon mariage. Irababababababaché. Irakrakrakrakaché. Irababaché. Tu ne seras pas la femme folle qui décrit tout. Tu ne seras pas le fou qui décrit tout. Bien-aimé, demande à Dieu la sagesse. Bien-aimé, demande à Dieu la sagesse. Et Dieu t'accorde la sagesse pour bien parler. La sagesse pour savoir quand ouvrir la bouche et la fermer. La sagesse pour l'adversité de tes ennemis, la sagesse des grandes personnes qui viennent au-devant de toi. Reçois cette sagesse, parce que quand tu demandes, tu reçois. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur, que tout voile qui m'empêche d'avoir de bonnes visions soit ôté. Allez, commence à prier. Quand tu dis « sois ôté », tu fais comme si tu passais le geste d'enlever les toiles d'araignée sur ton visage et les voiles, et commence à prier. Seigneur, que tout voile qui m'empêche d'avoir une bonne vision soit ôté. Que tout voile qui m'empêche d'avoir une vision claire soit ôté. Que les voiles soient ôtés. Les voiles qui empêchent à mon mari, à mes enfants, d'avoir les visions claires. Au nom de Jésus, que ces voiles soient ôtés. C'est ôté ce soir. Les toiles d'araignée soient enlevées. Au nom puissant de Jésus, les obstacles tombent. Par le nom de Jésus, bien-aimé, prie. Tout voile qui t'empêche d'avoir une vision claire est enlevé. C'est enlevé. C'est enlevé ce soir. C'est enlevé ce soir. Je dis, c'est renversé. Les voiles là sont renversées. Je dis, le voile de la confusion est enlevé. Le voile de l'obscurité là est enlevé. Je dis, le voile empêche d'avoir une vision claire. Et ce soir, par le feu, il est brûlé. Par le feu, il est consumé. 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 Et la confusion te quitte. La divination te lâche au nom de Jésus-Christ. Je dis, le voile qui t'empêche d'avoir une vision claire, ce voile est enlevé ce soir. Il est déchiré. Il prend feu. Il prend feu. Sur le toit de ta maison, il prend feu. Sur le toit de l'église, il prend feu au nom de Jésus. Je dis, le voile qui t'empêche de voir terre. Feu. Le géant devant toi prend feu. Le géant, le serpent là, il prend feu. J'ai dit, il prend feu. L'homme fort là, soi-disant homme fort, il est renversé. Et au nom de Jésus, j'ai dit, tout roi assis dans ta vie, celui qui est assis disant, tu ne verras rien, il est renversé ce soir. Il est renversé par le feu. 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 J'ai dit, le voile qui m'empêche d'avoir une vision claire est enlevé. C'est enlevé. C'est enlevé. De la maison, c'est enlevé. À l'église, c'est enlevé. Sur une vie, c'est enlevé. Les voiles sont déchirées ce soir. C'est déchiré ce soir. Comme le voile du temple est déchiré et l'accès a eu lieu. Au nom de Jésus, j'ai dit le voile qui t'empêchait d'avoir la vision claire. Il est déchiré ce soir. Il va cracher, précocher. La confusion cesse dans tes rêves. Tu cesses de voir au nom de Jésus les bonnes personnes comme les mauvaises personnes et les mauvaises personnes comme les bonnes. J'ai dit au nom de Jésus, la clairvoyance par le feu.
par le feu. Obstacle satanique à la vision de mon frère, de ma soeur. Tombe par le feu. Tombe par le feu. Tombe par le feu. Serpent des ténèbres. Tombe, 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 tombe par le feu. J'ai dit la confusion quitte les serviteurs de Dieu. La confusion quitte les enfants de Dieu. La confusion s'acquitte maintenant. J'ai dit le serpent de la confusion. Le serpent de la divination. Tombe et meurt. J'ai dit cet héritage de famille. L'héritage des visionnaires sataniques où les familles, les parents, les grands-parents étaient des voyants. Les voyants des sorciers. Et les dons de voyance t'ont été transférés. Et ça empêche au jour d'aujourd'hui que tu vois clair de ce que le Saint-Esprit te montre. J'ai dit au nom de Jésus, ce don de voyance mystique, héréditaire, au nom de Dieu, nous l'attaquons à la racine, le doigt est sur le nombril. J'ai dit, nous attaquons ce don de voyance. Nous attaquons ce don de voyance. Nous l'attaquons au nom de Jésus. Les gens qui t'ont ouvert les yeux en sorcellerie, qui ont ouvert les yeux chez les marabouts, au nom de Jésus, féticheur, pour dire que tu vas continuer le travail de ta grand-mère, avec le travail de ton homonyme, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, ces yeux mystiques sataniques se ferment, ça se ferme, ça se ferme, ça se ferme, et seul maintenant, tu commences à voir ce que Dieu veut que tu voies, tu commences à voir ce que Dieu veut que tu voies, et non ce que les diables viennent te montrer comme la confusion, esprit de serpent, divination, tu sors de ma maison, tu sors de ma vie, tu sors de la vie de mon frère et de ma soeur, allez, dis avec moi, esprit de serpent, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, esprit de serpent sort, esprit de serpent sort, esprit de voyance sort, esprit de voyance sort, esprit de voyance sort, toi, attaque ma vision, la vision céleste, sort par le feu. Sors par le feu, sors par le feu. J'ai dit ce serpent te lâche. J'ai dit ce serpent te lâche. J'ai dit ce serpent te lâche. J'ai dit ce serpent de famille te lâche au nom de Jésus. Qui a craché dans tes yeux pour que tu ne vois plus? Je dis par le sang de Jésus. Ces yeux sont lavés. C'est lavé. C'est lavé. Par le sang de Jésus. Tu cesses en flou. Tu cesses d'oublier les rêves. Tu cesses d'oublier les rêves au nom de Jésus. J'ai dit le diable qui attaque ta vision spirituelle. Il tombe même par le feu. Il va cabacher, kerekeche. Allez, Satan, lâche le peuple. Lâche au nom de Jésus. J'ai dit, j'assainis ta vision. J'ai dit, j'assainis tes fondements. J'ai dit, j'assainis tes sens. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Héritage ancestral de divination. Héritage ancestral de visionnaire. Au nom de Jésus, meurs. 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 Au nom de Jésus, la puissance. Que comme tu ne veux pas l'esprit, tu ne verras pas de Dieu, tu n'entendras pas de Dieu, ce pouvoir la tombe, ce pouvoir la tombe, comme Hérode est tombé, ce pouvoir la tombe, comme le roi Osée est tombé, ce pouvoir la tombe, et tu commences à voir le Seigneur sur son haut. Allez, Satan, comme tu es tombé du ciel comme un éclair, tu tombes de cette vie comme un éclair, tu tombes de ce tombe de cette femme comme un éclair, tu tombes de ce ministère comme un éclair, par le sang de Jésus, allez, lâche, allez, lâche, allez, lâche. J'ai le pouvoir qui t'empêche de voir clair, le pouvoir qui t'empêche d'avoir une vision claire, ce pouvoir est ôté, 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 par le sang de Jésus, que celui qui attaque tes rêves, que celui qui attaque tes révélations, qu'il tombe par le feu. J'ai dit la confusion cesse au nom de Jésus qui Nazareth. Ça cesse au nom de Jésus. Ça sèche au nom de Jésus. Ça sèche au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a un dossier? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais présenter à Dieu et tu demandes à Dieu une vision claire? Est-ce que tu es en train de demander à Dieu sa pensée concernant un projet, concernant un choix? Bien-aimé, comment ça prie? Tu pourras dire, Père, au nom de Jésus, je veux connaître la pensée concernant Jean, Paul, Pierre, qui sont au jour d'aujourd'hui en train de me demander la main. Je peux choisir qui. Bien-aimé, commence à prier. Père, je veux connaître ta pensée concernant ce voyage. Je veux connaître ta pensée, Seigneur, concernant le choix du conjoint, concernant, par exemple, le choix de ceci. Bien-aimé, commence à prier. Seigneur, je veux connaître ta pensée concernant le déménagement. Je reconnais que tu pensais qu'on a la fermeture de telle entreprise. Je reconnais que tu pensais qu'on a les projets dans lesquels je veux me lancer. Est-ce que je dois faire l'élevage? Est-ce que je dois vendre les habits? Est-ce que je dois faire la ligne Cotonou Cameroun? Seigneur, je veux connaître ta pensée. Mais prends le temps et commence à prier maintenant. Rabaka shake,
Bien-aimé, prie, par la Dieu, présente-lui ce dossier, présente-lui ce projet. Seigneur, je veux connaître ta pensée concernant. Bien-aimé, parle à Dieu. Il n'y aura aucune interférence. Tu ne peux pas demander à Dieu, le Saint-Esprit te donne un serpent. C'est un mensonge. N'aie pas peur. Parle à Dieu. Il n'y aura aucune confusion ni interférence. Ce sera clair cette fois-ci. Hey, rabâché, par le nom de Jésus, ce sera clair. Par le nom de Jésus, ce sera clair. Par le nom de Jésus, ce sera clair. Hey, rabâché. Dieu de révélation, révèle-toi ton peuple. Nous te confions ces projets, ces dossiers. Nous te confions, Seigneur, ce peuple. Nous te confions ces dossiers, ces projets, ces interrogations. Toi, invoque-moi, je te congrès, je te révèle les choses cachées. Oh, Père, révèle-toi ton peuple. Nous te confions ces intentions de prière, ces cris à toi. Saint-Esprit, parle à ton peuple, parle à tes enfants, révèle-leur. Saint-Esprit, prends-le. Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, contrôle. Il a bâché, ribacaché, kébéché. Ton peuple que voici a décidé de ne plus faire de pas sans ta direction, sans ton oui, sans ton accord. Et ce soir, nous te soumettons ces dossiers, nous te soumettons ces projets. Père, toi qui réponds par le Dieu de vérité, manifeste-toi, manifeste-toi. Que cela soit clair, que cela soit clair, que cela soit clair, sans ambiguïté. Que la puissance qui venait troubler les révélations, qui venait troubler les songes, qui venait troubler l'eau, au nom de Jésus, ce serpent la meurt, ce serpent la nous la battons. J'ai dit le pouvoir qui venait troubler ta révélation, qui venait troubler tes visions, qui venait troubler l'eau, ce pouvoir la meurt. Ce Seigneur, nous le chassons au nom de Jésus. J'ai dit, diable, je te chasse de mon frère, de ma soeur, à l'esprit. Sors de cette maison, de cette vie. Sors au nom de Jésus. Toi qui viens à intégrer dans la communication. Comme mon frère est Dieu, il est tout puissant. J'ai dit au nom de Jésus, lâche. J'ai dit au nom de Jésus, lâche. J'ai dit au nom de Jésus, lâche. J'ai dit esprit de confusion, je te reprime. Esprit de confusion, je te reprime. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Esprit de divination et de mensonge, je te reprime. Toi, Satan qui te déguise en ange de lumière, toi qui réponds, tu dis, ils m'ont adoré autrefois. Je dis, par le sang de Jésus, ils ont dit oui à Jésus, je te reprime la vie. Tu es dans l'illégalité. Tu n'apparaîtras plus sous la forme d'un ange pour les tromper. Par le sang de Jésus, Satan, je te reprime. Je te reprime de mon frère, ma soeur. Je te repris, mais c'est de mensonges et de divination. Ange démoniaque qui s'habille en ange de lumière pour confondre les frères et les soeurs avec des visions sataniques. Je te reprime, je te reprime, je te reprime. Et j'appelle par le sang de Jésus la clairvoyance dans les visions, dans l'entendement, dans les songes, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi que l'esprit de prophétie, que l'esprit de révélation, descend sur mon être entier. Au nom de Jésus, bien commence à prier. Oh Père, que l'esprit de prophétie, que l'esprit de révélation descende sur mon être entier. Que l'esprit de prophétie, que l'esprit de révélation descende sur l'être de mon mari, descende sur mes enfants. Descende sur les frères et sœurs que voici, oh Père, que l'esprit de prophétie de révélation descende sur nous. Que l'esprit de prophétie de révélation descende sur nous. Que l'esprit de prophétie, l'esprit de révélation descende sur ton cœur. Descende sur ton cœur. Tu as dit, Seigneur, que dans les derniers jours, acte chapitre 2, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Tu ne répands pas sur les pasteurs. Tu ne répands pas seulement sur les apôtres, mais tous ceux qui ont cru. Oh, que l'esprit de prophétie, l'esprit de révélation descende sur le peuple que voici. Riba Kabaché, mon frère, c'est ton héritage. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Et Rabba Kachakra, Chekrebeche, Irabababababa, Chekrebeche, Chekrebeche, Rikrakrakrakabaché, Irakabachakabaché, Riraba Kachakrebeche, Kabaché, Riraba Kachakabaché, Riraba Kachakrakabaché. Dans le nom de Jésus-Christ, dis-moi, je lis tout démon. Je lis.
qui pollue la vision spirituelle et les sons. Et je te reprime au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier. Je dis, toi, le démon qui pollue la vie spirituelle et les songes, je te lis et je te reprime. Je te lis et je te chasse au nom de Jésus. Il a dit, vous chasserez les démons. Et ce que vous allez lire, tu t'es lié. Je dis, toi, ce diable qui pollue ma vision, qui pollue mes songes, par le nom de Jésus, je te reprime, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse de ma maison, je te chasse du ministère, je te chasse au nom de Jésus. Je dis, démon pollue la vision de Dieu, démon qui pollue mes songes au nom de Jésus, dans ma maison, mon mari, dans ma vie, dans mes enfants, je te chasse au nom de Jésus, je te chasse esprit impur, je te chasse, va-t'en par le sang de Jésus, Rabakabacha, au nom de Jésus, je dis, ce diable qui pollue tes rêves, ce diable qui pollue ta vision spirituelle, au nom de Jésus, nous le chassons par le feu, nous le chassons, allez, Satan libère, libère au nom de Jésus, nous te réprimons, que tu sois de la maison où il habite, que tu sois dans l'environnement, que tu sois, je ne sais de comment tu es venu, je dis par le nom de Jésus, Satan, je te réprime. Toi, le démon qui pollue les rêves. Toi, le démon qui pollue la vision spirituelle. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. Allez, commande qu'il sorte, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, prie. Commande à ce diable de s'en aller. Chasse-le au nom de Jésus. Toi, diable, qui pollue mes rêves, qui pollue ma vision spirituelle. Je commande au nom de Jésus. Sors de ma vie. Sors de mes enfants, mon mari. Libère, je te chasse. Il a dit, vous chasserez les démons. Allez, chasse-moi ce démon qui pollue tes rêves, qui pollue ta vision. Par le sang de Jésus, allez, chasse-le. Allez, chasse-le, mon frère, ma soeur. Tu as autorité au nom de Jésus. Chasse-le. Allez, chasse-le. Allez, chasse-le. Allez, chasse-le de ta maison. Chasse-le des enfants. Les diables qui viennent nourrir tes enfants. Les diables qui viennent polluer tes enfants, polluer ton mari, polluer ta vie. Commande à ce diable qui pollue ta vision spirituelle. Rakakakakabaché. Ribarabaché. Rikakarakacha. Rabakarabacha. Rakacha. Rakacha. Je dis, diable qui pollue la vie spirituelle, qui pollue les rêves, qui pollue les songes, je te reprime de mon frère et de ma soeur. Allez, va-t'en par le sang de Jésus. Allez, libère, 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 va-t'en au nom de Jésus. Je te chasse, va-t'en au nom de Jésus. Je dis, toi, pollue les rêves. Il oublie les rêves. Donc, même tu disais qu'ils n'ont pas rêvé, alors que tu as tout effacé, alors que ce sont des informations que tu as données. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, toi, le démon, le diable, au nom de Jésus qui pollue les rêves de mon frère et de ma soeur, je te chasse au nom de Jésus. Toi qui étouffes ces dons spirituels, je te chasse. Allez, libère par le sang de Jésus. Libère esprit familier. Libère ma vie de femme de nuit. Sors au nom de Jésus. Libère marabout. Libère faux pasteur. Sors par le sang de Jésus. Libère, 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 libère. Voleur d'étoiles. Pirate et destiné. Va-t'en par le sang de Jésus. Allez, va-t'en. Allez, libère. Allez, libère cet homme. Allez, libère cette femme. Par le sang de Jésus. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Idole familiale. Sors au nom de Jésus. Toi qui pollues les rêves. Qui pollue les rêves, la vision spirituelle, libère cette femme. Allez, va-t'en au nom de Jésus et ne reviens plus jamais. Et ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi toute saleté qui bloque mon canal de communication avec Dieu. Sois lavé par le sang de Jésus. Toute saleté qui bloque mon canal de communication avec Dieu. Sois lavé. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je reçois du Saint-Esprit la puissance pour opérer avec des yeux spirituels aigus qui ne peuvent être trompés au nom de Jésus-Christ. Je reçois la puissance du Saint-Esprit pour opérer avec des spirituels aigus qui ne peuvent être trompés. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je retire mon nom du livre de ceux qui tâtonnent et de ceux qui crébuchent dans les ténèbres, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, fais de moi un vase capable de connaître des choses cachées. Oh Dieu, fais de moi un vase capable de connaître des choses cachées au nom puissant de Jésus-Christ. Les révélations divines, les visions, les songes, les informations spirituelles ne seront pas des denrées rares
dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Les révélations divines, les visions, les songes, les informations spirituelles ne seront pas des denrées rares dans ma vie, dans mon mari, dans mes enfants, dans l'église, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, déclare ces choses, les révélations divines, les visions, les songes et les informations spirituelles ne seront pas des denrées rares dans ma vie, dans ma maison. Ça ne sera pas des denrées rares. Ça ne seront pas des denrées rares. Ça ne sera pas des denrées rares. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Alors donne un amen vivant. Alléluia. Pendant que nous continuons toujours dans les mêmes prières, amen, amen, que le Saint-Esprit se révèle à toi. Que le Saint-Esprit te donne la connaissance par la révélation. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. La parole de Dieu te dit, dans Deutéronome 29, verset 29, Seigneur, merci. Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Les choses cachées sont à qui? À l'Éternel, notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen, amen. Dans le Psaume 5, verset 9, Psaume chapitre 5, verset 9, la parole de Dieu te dit, Éternel, dis avec moi, Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, aplanis ta voix sous mes pieds. Déclare encore avec moi, Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, aplanis ta voix sous mes pas. Amen. Quand tu prends le Psaume 25, au verset 14, il te dit, l'amitié du Seigneur est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Amen, amen. Et on a lu tout à l'heure Daniel 2, verset 22. Pour ceux qui notent, Daniel 2, verset 22. Il révèle ce qui est promis. Il connaît ce qui est les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Donc, tu ne peux pas marcher avec celui en qui la lumière demeure et on tâtonne. Ça doit cesser. Amen. Et Éphésiens 1, verset 17 dit, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Dis avec moi, tout secret, toute alliance, tout vœu qui affecte ma destinée, soyez brisé au nom de Jésus-Christ. Tout secret, toute alliance, tout vœu qui affecte ma destinée, la destinée de mon mari, la destinée de ma femme, si c'est ton cas, la destinée de mes enfants, soyez brisés. Soyez brisés. Allez, commence à prier que les secrets, les alliances, les vœux qui affectent la destinée de ton mari, de tes enfants, soient brisés. Que ces choses-là soient brisées, que ces alliances soient brisées, que les alliances-là soient brisées, que les vœux-là soient brisés au nom puissant de Jésus. Tout secret, toute alliance, tout vœu qui affecte ma destinée, la destinée de mon mari, de mes enfants, au nom de Jésus, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Bien-aimé, prie que tout secret, toute alliance, tout vœu qui affecte ta destinée soit brisé. Je dis c'est brisé ce soir. 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 Au nom de Jésus-Christ, pointe ton nombril. Et tiens-moi tout secret ancestral qui retarde mon progrès. Soit révélé et brisé. Est-ce quelqu'un là? Que ce secret ancestral qui retarde ton mariage, qui retarde ton progrès, qui retarde ton travail, qui retarde tes enfants, bien-aimés, que ce secret ancestral là, au nom de Jésus, non seulement qu'il soit révélé, mais qu'il soit brisé.
brisée. Commence à prier. Tout ce clan ancestral qui retarde mon progrès, qui retarde mon mari, mes enfants, soit révélé et brisé. Soit révélé et brisé. Que ce secret ancestral qui tient toute la famille soit révélé et brisé. Soit révélé et brisé. Rebakrabaché, kreke, chakrabaché, kreke, chakrabaché. Père, dans le nom de Jésus, tout ce ancestral qui retarde mon progrès, qui retarde mon mariage, mes enfants, mon ministère, mon appel, et ce, un homme de Dieu prie au nom de Jésus, soit révélé et brisé, soit révélé et brisé, soit révélé et brisé, soit révélé et brisé, soit révélé et brisé. Père, nous crions à toi que les secrets ancestraux qui retardent les prophètes de notre peuple que voici soient révélés et brisés, soient révélés et brisés, soient révélés et brisés au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, oh Dieu, tout secret que je dois connaître pour exceller spirituellement et financièrement, que cela me soit révélé. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, tout secret que je dois connaître pour exceller spirituellement et financièrement, qu'il me soit révélé au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Oh Père, tout secret que je dois connaître pour exceller spirituellement, pour exceller financièrement. Seigneur, que ce secret me soit révélé. Seigneur, que ce secret me soit révélé. Que ce secret me soit révélé. Que ce secret me soit révélé. Père, que ce secret me soit révélé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Moi, tout secret caché dans le royaume des ténèbres qui affecte l'élévation soit exposé et disgracié au nom de Jésus-Christ. Bien, commence à prier. Tout ce qui est caché dans le royaume marin, dans le royaume des ténèbres qui affecte mon élévation, soit exposé et disgracié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier que tout secret caché dans le royaume marin qui affecte ton élévation, qui affecte ta vie, ton mariage, que ce secret soit exposé et disgracié, qu'il soit exposé et disgracié, qu'il soit exposé et disgracié au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout secret caché dans l'archive qui paralyse mon élévation soit exposé et disgracié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout secret que je dois connaître concernant mon environnement soit révélé au nom de Jésus-Christ. Tout secret que je connais concernant mes enfants, concernant ma maison, concernant mon mari, concernant mon environnement, concernant le ministère, soit exposé, soit exposé, soit exposé, soit exposé, soit révélé, soit révélé. Oh Père, que tout secret que ton peuple que voici doit connaître concernant leur vie, leur famille, leur environnement, Seigneur, que cela soit révélé, que cela soit révélé, que cela soit révélé, que cela soit révélé, que cela soit révélé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout secret que je dois être en lignée familiale du côté de mon père soit exposé. Allez, commence à prier. Oh Père, tout secret que je dois connaître concernant ma lignée familiale du côté de mon père soit exposé, soit exposé, soit exposé, soit exposé. Nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tout ce que je dois connaître concernant ma lignée du côté de ma mère soit révélé. Allez, commence à prier. Tout secret que je dois connaître, Seigneur, concernant la lignée familiale du côté de ma mère, Seigneur, que cela me soit révélé. Que cela me soit révélé. Je Saint-Esprit, montre-moi cela. Tout ce que je dois connaître. Oh Seigneur Dieu puissant, concernant la lignée familiale du côté de ma mère, Seigneur, montre-moi cela. Seigneur, montre-moi cela. Afin que j'avance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout secret que je dois connaître concernant ma vie natale, concernant mon village, que cela me soit révélé au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tout secret que je dois connaître concernant le travail que je fais maintenant, Seigneur, révèle-moi cela. Est-ce que quelqu'un crie à Dieu? Seigneur Jésus-Christ, tout secret que je dois connaître concernant le travail que je fais maintenant, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Bien-aimé, prie. Seigneur, montre-moi les qui sont mes collègues, les qui sont mes patrons. Saint-Esprit, montre-moi. Saint-Esprit, montre-moi ceux qui travaillent avec moi. Est-ce que quelqu'un demande à Dieu de montrer qui est
sa ménagère, qui est son chauffeur, qui est son cuisinier. Bien-aimé, prie, prie, prie. Cher Saint-Esprit, montre-moi. Cher Saint-Esprit, montre-moi. Cher Saint-Esprit, montre-moi. Cher Saint-Esprit, montre-moi. Tout ce que je connais concernant le travail que je fais maintenant. Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas faire ces points de prière avec rage avant qu'on ne se sépare ce soir. Dis avec moi, oh Seigneur, tout pouvoir qui veut que mes efforts retournent contre moi, je te renverse par le feu, je te renverse. Toi qui veux que mes efforts se retournent contre moi, je te renverse par le feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas secouer ta tête de gauche à droite. Secoue ta tête de gauche à droite. Et dis avec moi, Seigneur, enlève les pierres maléfiques dans ma tête, sur mon corps. Allez, secoue, Seigneur. Enlève les pierres maléfiques sur mon corps, dans ma tête. Enlève les pierres maléfiques sur mon corps, dans ma tête. Rebaka, chakra, kacha. Oui, cette charge là te quitte. Cette charge te quitte. Enlève les charges maléfiques. Ceux qui portent les secrets. Seigneur, que ces choses-là tombent, que ces choses-là tombent. Le mal de nez, là, te quitte. Le mal de tête, là, te quitte. J'ai dit, toute charge maléfique qui est sur ta tête, ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Allez, secoue, ça tombe. De la tête de ton corps, ça tombe. Le secret qu'on a dit, toi, tu portes ton secret, les excédents de bagages, ça tombe. Au nom puissant du Christ, je prie en cette soirée, bien-aimée, dans ta vie, que tout vent maléfique souffle contre toi, qui change de direction. Et qui retourne à l'envoyeur, vent de célibat, vent de pauvreté, de maladie, qui souffle dans ta maison, le vent de la mort prématurée, allez maintenant là, tourne et retourne à l'envoyeur, allez stop ta course, stop tes dégâts dans cette famille, stop tes dégâts dans cette maison et retourne, le vent des querelles, le vent de division, le vent de mendicité, de maladie, de pauvreté, je dis stop ta course maintenant, stop au nom de Jésus dans cette famille, je t'arrête au nom de Jésus, je dis stop à cette tempête maléfique qui veut travailler pour que tu n'avances pas, qu'elle retourne à l'envoyeur, qu'elle retourne à l'envoyeur. J'ai dit, vends sa tempête démoniaque. Stop, quand Jésus a stoppé la tempête, il nous a donné, j'ai dit, tempête de maladie, tempête de misère, de pauvreté, de dette. Stop ta course au nom de Jésus dans cette maison, à ses enfants, et retourne maintenant à l'envoyeur avec des gars. Retourne à l'envoyeur avec des gars, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce soir, que toute affliction, au nom de Jésus, dans ta vie, vienne la promotion. J'ai dit toute affliction, ta vie devienne la promotion. Amen. Que ça devienne la promotion. Amen. Que ça devienne la promotion. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que ta gloire paraisse et soit parfaite. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cette nuit encore, le sang de Jésus se tient et parle en tout hôtel et clenche qui se graisse contre ta vie au nom de Jésus. Je prie en cette soirée que le sang de Jésus sécurise ta portion et ta destinée au nom de Jésus. Que le sang de Jésus pénètre ta vie, ton sommeil, ta famille, tes affaires et disperse toute opération, la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus agisse dans ta vie et ouvre les portes fermées. Et ouvre les portes que le diable a fermées. Et ouvre les portes que le diable a fermées. Ferme celles qu'il a ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu puissant rebâtisse tous les murs qui ont été endommagés dans ta vie. Qui te repositionne et restaure. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, c'est accompli. Amen. Ces yeux-là démangent. Tu as l'impression de plus compris que tes yeux démangent. Donc, c'est comme si le visage, tout le visage démange, comme s'il y a des petites choses qui sont maintenant en train de bouger partout sur le visage. Donc, salive. J'ai dit au nom de Jésus, le diable ne peut que lâcher. Amen. Le manteau musclé est arraché. Amen. Le voile est enlevé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. La peur te lâche. L'autel de la peur dans ta vie, dans ta famille est dispersé. Les alliances de peur sont brisées par le sang de Jésus dans ta vie au nom de Jésus-Christ et tu vas de l'avant. Amen. Tu vas de l'avant. Amen. Je dis les œuvres mortes dans ta vie, ça sort. Amen. Ça sort. Amen. Ça sort. Amen. Qui avait rendez-vous avec la mort? La mort est brisée. Amen. Elle retourne à l'envoyeur. Je dis, elle retourne à l'envoyeur par le sang de Jésus. Amen. La mort quitte les maisons, elle quitte les corps, elle quitte les destinées, les affaires, les projets. Au nom de Jésus-Christ, je décrète la paix dans ton corps, la paix dans ta maison, la paix dans tes enfants, la paix dans ton conjoint, dans tout ce que tu entreprends au nom de Dieu. Reçois ces relations. Reçois ce dont tu as besoin pour que ta destinée avance. Je dis reçois au nom de Jésus. Je dis reçois au nom de Jésus. Je dis reçois au nom de Jésus. Comme Moïse s'est tenu et a déclaré la vie sur Ruben, je dis vie. Je dis vie.
J'ai dit prospère. J'ai dit va de l'avant. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et brille par le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu t'inonde ce soir. Que la grâce de Dieu t'inonde ce soir. Au nom puissant de Jésus, ou ce matin, selon l'endroit où tu te trouves et l'heure que tu nous suivras. Que le Seigneur te bénisse. Bonne nuit de révélation. Amen, amen. Lorsqu'on arrête comme ça, bien-aimé, c'est même pas le moment toi de chercher à manger. Continue par la langue, de prier, d'adorer Dieu. Commence à dire merci qui te donne au-delà de ce que tu lui demandes. Excellent Père de grâce, nous te disons merci, toi qui restaures la vision. Merci, Saint-Esprit, toi qui relâches ta faveur. Merci, Saint-Esprit, pour les portes ouvertes. Merci, cher Saint-Esprit, toi qui relâches tes secrets. Pour les qui sont ouverts au-dessus de la vie de mon père et de ma soeur, Saint-Esprit reçoit toute la gloire. Nous te bénissons et te célébrons. Nous célébrons nous même dans ta présence encore en cette soirée, nos frères réunis. Nous commandons encore autour de ton étel et nous bénissons ta grandeur, ta fidélité, reconnaissant que toi seul tu es Dieu. Bien-aimé, depuis l'endroit où tu te couvres, lève tes deux mains et adore le Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Oui, nous reconnaissons que tu es roi. Prends la première place dans nos vies. Prends la première place dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos époux, épouses, enfants. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois glorifié. Et que tout ceci concrète pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, sois béni, sois magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons amen. Que le Seigneur vous bénisse, la grâce de Dieu vous inonde. Nous nous retrouvons demain à 10h pour le programme de délivrance ici à Yaoundé, à Jouvence, à la TBC Cité du Christ Ressuscité, 17h pour le programme de prière et de délivrance. Amen. Généralement, c'est un programme qui n'est pas diffusé. Et également, nous nous retrouvons encore à 21h. Heure du Cameroun pour la suite. Connecte, partage, bénis. Que la gloire revienne à Dieu et que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen.